Eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MadVenture. Je suis très content de vous retrouver. Un épisode un petit peu plus court et un petit peu plus particulier que les autres, dans le sens que aujourd'hui je serai tout seul. Alors vous inquiétez pas, vous allez tout de même kiffer cette vidéo, je vous l'assure. Et vous allez d'ailleurs être fiers de moi, puisque dans cet épisode on va organiser méthodiquement eh bien notre liste d'objectifs. Vous allez voir les amis, ça va pas être relou. Normalement j'ai vraiment tout cherché en off et on va en parler aujourd'hui. Mon armure, vous inquiétez pas, elle est rangée, on va aller la chercher. Je voulais juste vous montrer un truc que j'ai fait en off. Je me suis apprivoisé un nouveau cheval que j'ai appelé Vanny. Voilà, il est mignon, enfin elle est mignonne, du coup on va dire que c'est une femelle. C'est mon nouveau cheval en fait que j'ai tout simplement trouvé là, hein. Il était là, il avait spawn. Et du coup je l'ai apprivoisé, je l'ai appelé Vanny. Pourquoi Vanny? Bah parce que je lui ai mis une armure en or. Et me demandez pas pourquoi, mais ça me fait penser entre le blanc et le jaune, et bien à de la Vanny tout simplement. C'est mon cheval à moi, j'en suis assez content. Donc les amis, j'ai d'ailleurs pêché en off. Enfin c'est incroyable les amis ce qui s'est passé, je vous jure. J'ai mis, alors oui regardez c'est beau ce petit cactus au milieu de mon M cocon. C'était donc un abonné, je suis désolé mon pote, je ne me rappelle plus du pseudo, je l'ai plus en tête donc je vais pas dire de bêtises. En tout cas voilà, on me l'avait suggéré et ça rend super bien. Moi j'aime beaucoup, alors le bateau c'est, vous inquiétez pas hein, ça dégage. Je suis assez satisfait de comment ça rend. Je vais mettre ça ici. Je vais me reprendre de la nourriture de ce pas. Et je vais me restuffer avec mon armure qui est juste ici. Alors attendez, hop, hop et hop. Normalement derrière je peux mettre mon cuir. Et ici j'ai fait chauffer en fait tout le sable qu'on a récupéré dans le dernier épisode. Donc là je me retrouve avec beaucoup de verre comme vous le voyez. J'ai pas fait chauffer tout le sable hein, normalement. Si je dis pas de bêtises, j'en ai gardé au cas où. Voilà, j'en ai encore en stock là, vous voyez. C'est pour BXNO qui en a besoin. Et puis si jamais j'en ai besoin également. Voilà, j'ai pêché en off les amis et on m'a aidé. Je suis trop content, on se retrouve avec 5 Nautilus Shell. Je vous jure, je suis refait. Dans le dernier épisode, on n'en a pas trouvé. Je rappelle que j'en avais pêché un en off. Et entre cet épisode et le dernier, j'en ai pêché, je crois, 2 ou 3. Ce qui est sûr, c'est que Seriac en a trouvé un en tuant un zombie et il me l'a donné. Seriac qui est de retour complètement sur le serveur, donc ça fait très plaisir. Et je crois que... Attendez, le compte est bon. Donc Seriac m'en a donné un, j'en avais pêché un, ensuite j'en ai pêché 2. Alors le cinquième, je sais pas où je l'ai eu. Est-ce que je l'ai pêché ou est-ce que quelqu'un me l'a donné? Je ne sais plus. Dans tous les cas, on est à 5 et ça fait extrêmement plaisir. On avance et ça fait vraiment du bien. Donc les amis, je me suis carrément renseigné sur internet par rapport aux objectifs. Regardez donc, hop, la liste des objectifs. Écrire le livre des abonnés, bon bah ça y a pas de problème. Avoir 64 blocs de diamants, bah les amis franchement, d'ailleurs on en est où là? On en est où quand on regarde un petit peu là? Parce que j'ai un peu miné d'obsidienne d'ailleurs. On est à 12 blocs de diamants, donc il faudra refaire du minage. Pourquoi pas en live éventuellement. Challenge MLG dans une faille. Alors je me suis dit pourquoi pas faire ça dans cette vidéo. Alors pas sûr, on le fera peut-être pas. Tuer un guardian, bon bah ça on le fera dans un épisode. Enfin si c'est possible, parce que voilà c'est assez compliqué à tuer. Avoir toutes les armures, donc ça les amis voilà, c'est ce genre d'objectif où je me suis renseigné. Et on va vraiment mettre ça en place dans cet épisode. Je rappelle qu'on a construit une petite maison champignon dans la forêt et c'est là-bas qu'on va mettre nos monuments, enfin ce sera notre monument objectif. Donc les amis, je me suis renseigné donc pour être sûr de tout ce que je vais vous dire. Il y a 6 armures au total dans le jeu. Alors actuellement il y en a 5, mais il y en aura 6 en 1.16, puisqu'il y a le cuir, il y a l'or, il y a les cottes de maille, il y a le fer, il y a le diamant, et il y aura en 1.16 la netherite. Donc les amis, déjà ce qu'on peut faire, regardez, j'ai déjà du cuir là. Alors j'ai la moitié, hein. J'ai plastron en cuir, botte en cuir, ok. Ce qu'on va faire, normalement j'ai un coffre avec, attendez ça doit être ici. Bougez pas, non mais en fait c'était tout en haut, non c'était ici. Voilà, j'ai 4 armor stand, donc il me faut 6 armor stand. Donc on va juste en recrafter les amis. Oh là là, je sais plus comment on fait. Si je m'en rappelle, il nous faut ça. Il nous faut ça et je sais plus qu'est-ce qu'il nous faut. Attendez, bougez pas. Donc on va, en fait vous avez compris ce qu'on va faire dans cet épisode, ça va être assez incroyable. On va tout simplement bah déjà avancer dans les objectifs. Ça c'est typiquement le truc à faire en solo. Mais surtout on va préparer tout simplement les objectifs. Où c'est qu'on trouve le craft là? Je sais plus comment on fait. Je sais qu'il faut du... Mais non mais déjà je sais qu'il faut du fer en fait. Donc là par exemple avec tous les minerais qu'on a, bah, regarde je vais prendre l'or. Comme ça on va déjà pouvoir crafter, crafter tout ça quoi. Je crois il faut aussi de la stone si je dis pas de bêtises. Je fais au hasard hein. Je fais au hasard mais je crois que c'est ça qu'il faut. Et là normalement il devrait me proposer le craft si je dis pas de bêtises. Est-ce que je suis un monstre? Non visiblement c'est pas comme ça qu'on craft. Oh là j'ai du mal. Faut vite que je trouve l'armor stand. J'ai pas trop envie de vous saouler pour le coup.
Puff. Alors, je suis sûr que je suis déjà passé devant, hein. On va pas se mentir. Là, ici, parfait. Il nous faut... Oh non, pardon, il nous faut juste des bâtons. D'accord, ok. Bah, excusez-moi. Vous allez m'insulter. Donc, on va prendre les bambous. On va se faire des petits sticks. Et là, on va se faire plaisir. Donc, il nous en faut 6 au total. Tac. Ils sont où, les armor stands? Ils sont là. 1, 2. Donc là, on se retrouve avec 6 armor stands. C'est tout bon pour nous. Donc, j'ai une armure en diams sur moi. Évidemment, ce sera pas celle-là qu'on affichera dans le monument. Mais il me semble que j'ai encore des armures en diams. J'ai un casque, des bottes et des jambières, mais pas de plastron. Bon, bah c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va devoir se crafter avec les 9 diamants. Parfait. J'avais pas mis une table de craft ici. Ah non, c'est chiant, à chaque fois, faut que j'aille là-bas. Bon, c'est pas grave, on va s'y faire. Voilà. Alors je sais qu'il est enchanté et tout, et que les enchantements sont... Mais voilà, écoutez, c'est bien, tant mieux. C'est pas du gâchis, parce que mon stuff est déjà très très badass. Donc là, on a l'armure en diams. On va crafter directement, les amis. Eh bien, mais non, mais où c'est que je vais? L'armure en or, donc on va se faire le casque, les bottes, le plastron, les jambières. Pareil pour le fer, le plastron, le casque et les bottes. Et les jambières, voilà. Là déjà, on a la moitié du stuff qui est fait, d'accord. Je vais re-ranger dans les coffres correspondants les minerais. Les bâtons, j'en ai plus besoin, donc ça va partir par ici. Donc voilà, ça c'est pour les armures. Je remonte les objectifs. Il faut également faire une base sous-marine, donc ça on le fera. Avoir toutes les pousses d'arbres. Je me suis renseigné, parce que voilà, comme dit, je suis pas sûr de tout connaître. En réalité, il y en a pas énormément, c'est assez facile. Il y a 6 types d'arbres. Alors je les ai pas de tête là, je sais qu'il y a le chêne, il y a le bouleau, il y a la jungle, l'acacia. Et il y a 2 autres types de bois, je les ai pas en tête. Ah, il y a le dark et l'autre, je ne sais plus. Enfin bref, il y en a 6 à avoir. Challenge vivre dans le nether 5 jours, ça on le fera quand on sera en 1.16, être niveau 100, d'accord. Avoir tous les types de fleurs, celles-là je les ai notées les gars, parce que c'est forcément un peu complexe, il y en a énormément. Il y a 14 fleurs dans le jeu, alors je les ai notées, hein. On a du pissenlit, des coquelicots, de l'orchidée bleue, de l'allium, de l'oustonie bleue, des tulipes, des marguerites, du tournesol, des lilas, des rosiers, des pivoines, des bleuets, du muguet et la rose de Weezer. Voilà, ça c'est les 14 fleurs qu'on devra collecter, et d'ailleurs regardez, on en a évidemment déjà, hein. Attendez, où c'est? Alors voilà, on a ici le peony. Alors oui, moi le jeu il est en anglais, c'est vrai. Donc ouais, bon, on mettra en français en temps voulu. Mais du coup voilà. Donc ça on fera. Donc ça on va faire dans cet épisode les amis, on va préparer le monument. C'est-à-dire on va... Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Alors voilà, faire une statue géante de mon skin bien sûr. Un stack de golden apple. Alors là on peut peut-être continuer. J'ai des pommes il me semble. J'ai des pommes, j'ai encore de l'or. Voilà, donc on va continuer cet objectif. Alors on avance les amis, vous voyez c'est un petit épisode où on avance dans les objectifs parce que forcément bah on peut en profiter là, il faut qu'on avance dans les objectifs sinon on n'y arrivera jamais. L'or ça va ici, d'ailleurs j'ai plus d'or. Et il me semble que j'avais un coffre en attendant, non? Alors là j'ai les deux CD, pareil hein, les CD je vais vous dire tout ce qu'il nous faut. J'avais pas un coffre où j'avais déjà les golden apples? Ah attends, ça va être là, là voilà. Donc là ça me fait 19 golden apples, d'ailleurs je vais les prendre. Et je vais les mettre dans ce coffre en attendant. Parce qu'en fait, c'est un peu le coffre à, pour le moment à objectif. Puisque là, regardez, il y a 2 tridents, il y a 2 CD. Puisque je rappelle également, hop, juste ici, avoir 5 tridents. Voilà. Et alors, avoir toutes les laines. Donc là, il y a 16 laines. Donc on va pas les énumérer. Hein, c'est toutes les couleurs du jeu. Et avoir tous les CD. Donc on en a 12. Voilà, pareil, hein, je vais pas les énumérer. Il y en a 12 à avoir. Donc je rappelle qu'on a notre machine à CD. Donc avec les creepers et les squelettes. On en a 2 sur les 12, donc c'est très très bien. Donc les amis, ce qu'on va faire, on va se faire des items frame pour pouvoir mettre par exemple les CD, donc au monument de la... On va appeler ça un monument de la victoire si vous voulez. Donc pour ça il me faut du cuir, le cuir c'est ici, il me faut également des sticks, les sticks c'est ici, mais il m'en faudra plus, donc je vais reprendre du bambou, hop, parfaitement. On va se faire beaucoup d'items frame, je pense que j'en ai déjà sur place. Mais comme je suis pas sûr, autant ne pas faire des allers-retours inutiles. Alors ça va pas me suffire ça pour le coup. Hein. Ça va pas me suffire. Fais pas ton radin. Hop, on va faire plus de sticks. Encore des bambous. Voilà. On va pas commencer à chipoter. C'est vrai que les sticks ça part assez vite hein, finalement. Heureusement que le bambou est là. Hein. Ok, bah regardez, je peux encore en faire. Je peux encore en faire les amis. Hop, juste ici. Allez, voilà, régale-moi. Voilà, là normalement, on sera au taquet. Je fais ça. Le cuir il est là et on sera même pas au taquet. Regardez, je peux encore entourer deux cuirs. Bah, c'est génial. J'aime ça, j'aime ça.
Voilà. Alors, la question que je me posais, c'est que vous allez voir en temps réel, hein, on va y être dans 2 minutes. On va passer la nuit et puis on va aller au monument de la victoire. La question que je me posais, c'est que par exemple, les armures, on va les exposer sur des armor stands. Pas de problème à ce niveau-là. Pour les CD, ce sera dans les item frames. La question que je me posais, c'est pour les fleurs. Est-ce qu'on les met sur de la terre ou est-ce qu'on les met dans des pots de fleurs? Ça, c'est une bonne question. Bon, écoutez, on verra ça en temps voulu. Pareil pour les laines, sur quel bloc on pourrait mettre, je ne sais pas. Bon allez, on va dormir, on va arrêter de se poser trop de questions. Et on va se rendre directement, vous avez entendu le bruit de ma canette de Red Bull, un vrai plaisir. On va se rendre directement sur place, je vais remettre le livre objectif ici pour éviter de le perdre. Et on est directement parti direction le monument de la victoire. D'abord je vais juste remettre ça ici. Et donc on est parti tout simplement. Voilà, c'est efficace, regardez, ça fait même pas 10 minutes qu'on est en vidéo. Et on est déjà tout bon, et regardez, vous savez quoi, hop, tu vas venir avec moi Vanny. On va y aller ensemble, voilà, je vais t'inaugurer, je te monte, on est parti vers le monument de la victoire. Ah oui, alors par contre, faut traverser de l'eau, c'est vrai, c'est un petit peu chiant. Dès là, il y a des fleurs, par exemple, donc on pourra évidemment les récupérer. Ah oui, non, mais il y a des creepers aussi, des squelettes et des méchants. Oh là, c'est pas encore assez éclairé, hein. À savoir que j'avais un petit peu plus éclairé la zone en off, mais je crois que ça ne suffit pas. Tu restes ici, hein, reste sage, toi, hein. Hop, donc bienvenue dans la maison champignon. Est-ce qu'on a déjà... des items frame à l'intérieur, je n'en vois pas. Bon bah j'ai bien fait d'en ramener. Très bien, très bien, très bien. Ah bah là il y en avait une, bon voilà. Donc on va descendre et donc je vous rappelle comment ça fonctionne en bas. Donc là j'ai rajouté du bois d'ailleurs, il faudra que je recoupe du bois. J'ai rajouté un petit peu ce que j'ai pu. Donc globalement par exemple là cette salle, eh ben écoutez, on va décréter que ce sera la salle des armures. Donc là regardez, juste pour qu'on comprenne, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Mais globalement on a 6 armures à exposer. Donc attendez, si je fais 1, 2, 3, 4. Donc il faut encore que je... Ouais ok, on va pouvoir faire un truc symétrique les gars, ça c'est cool. On va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Je vais prendre une torche à la main, comme ça on verra plus clair. Impeccable, on va faire un truc symétrique. Je pense que ça c'est... ah à la limite on pourrait faire... Eh attendez, on va faire ça encore plus joli. Si on fait ça comme ça... Ah ouais les gars, alors là c'est parfait. Je suis très fier de moi. Je suis très très fier de moi les gars. J'ai une superbe idée. J'ai une superbe idée. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme... Voilà, alors là franchement... 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, parce qu'il y a 6 armures au total. Donc ce sera pas symétrique en faisant ça. Bon bah, je me suis fait calotte. Ouais, non, bah tant pis. Et ben, on va repartir sur mon idée de... Ah ouais, ouais. Parce que là, il faut que j'en repose 2, quoi. Bon bah tant pis, tant pis. Ça aurait été sympa s'il y avait que 5 armures, mais comme il y en a 6 au total... Enfin, pour le moment, il y en a 5, mais je veux dire... Donc, comme ça. Comme ça. Mais non, mais là ça va pas. Mais c'est qu'est-ce que c'est que c'est? Comment j'ai fait avant? Ah mais sinon je fais comme ça. Ah mais voilà, mais attendez, c'est bon, tout va bien. Eh les gars, c'est bon. J'ai une idée. J'ai trouvé, il faut juste que je recule un petit peu. Tac, 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 tac. Et là en fait le dernier on le met là. Et en fait, regardez, bon là c'est très mal éclairé. En fait, voilà. Je pense qu'on mettra genre le stuff de Netherite, parce que c'est plus rare, on le mettra derrière en mode Saint Graal. Peut-être on pourrait le surélever. Vous savez quoi, on va surélever le stuff en Netherite, comme ça, bam. Regardez. Attends, il y a la torche qui dérange. Hop. Voilà. Vous voyez le délire ou pas? Franchement, ça peut être pas mal. Donc on va déjà poser... alors vous savez quoi, le cuir, on va le mettre tout à gauche. Ça peut être sympa. L'or, on va le mettre... le diamant, on le mettre... Attends, j'ai envie de faire un truc logique. J'ai envie de faire un truc sympa. Le fer, on va le mettre également à gauche. On va le mettre ici. Hop, donc. Tac, tac, tac. L'or, donc je vais le mettre ici en fait. Alors oui, c'est bon, ça va pas me l'équiper puisque j'ai déjà mon stuff en... Et là, ce serait de la chainmail qu'on mettrait. Ce serait sympa en vrai, hein. Ouais, là on met le diamant. Ou alors on met le diamant devant. Ouais, non, on va mettre le diamant devant. J'ai quand même des petits enchantements sympas dessus, mais bon, on va faire ça. Allez, hop. Voilà, et donc là on mettra la chainmail et là on mettra la netherite. Donc là on a presque accompli déjà ce monument au niveau des armures. Alors la chainmail, je le rappelle, évidemment on peut pas crafter de chainmail, hein, en vanilla, mais il faut avoir la chance de se faire looter par des zombies par exemple qui porteraient cette armure, tout simplement. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc on fera de la décoration évidemment les amis, là c'est pas le but du jeu. Aujourd'hui on va vraiment donc avancer dans les objectifs, là on a bien avancé déjà, et on va mettre en place tout simplement les monuments, voilà. Donc là, ici, on va par exemple faire le monument à CD, pourquoi pas. Non, on va faire le monument à arbre, puisqu'il y a 6 arbres au total, et que là, il y a 6 armures au total. Donc comme ça, on peut vraiment faire un truc symétrique. Alors, les arbres, est-ce qu'on les met dans des items frame?
Les pousses d'arbres, ou est-ce qu'on les met dans sur de la terre? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je pense qu'on va les mettre sur de la terre. Je pense que c'est une très très bonne idée. Alors on fera de la déco, hein. Je pense que j'ai de la terre en haut là. J'en suis persuadé. J'ai pas de terre. Mince. Bon, c'est pas grave les amis, parce qu'il me faut seulement 6 dirt. Donc je vais vite en creuser là. Regardez. On va pas se prendre la tête les gars. On va creuser de la dirt. Genre juste 6. C'est tout ce que je veux. Alors on va se mettre un endroit où ça dérangera pas de casser. Pour pas que ça fasse trop moche. Voilà, regardez. Là, ça fera pas moche. 1, 2, 3, 4, 5. Et là je vais casser là-bas. 6. Voilà, on a 6 petits blocs de terre. Il y a de la cobble sur l'arbre, genre normal. Et puis comme ça on pourra mettre les pousses d'arbres dessus. Mais il me semble d'ailleurs que je les ai tous, si je dis pas de bêtises, je crois. Faudra voir. Par contre, t'es un petit peu loin de ma maison champignon. Je veux pas te perdre, Vanille. Hein. Alors d'ailleurs, petit tonnerre, il va bien. Hein. Mon cheval, je sais où il est au spawn, il est en train de gambader. Vous inquiétez pas, il est très heureux. Il est pas jaloux. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire un truc symétrique. Alors, du coup, c'était comme ça. Voilà. Est-ce que on va peut-être les mettre au sol? Non, c'est bien de les mettre en hauteur. Je pense que je mettrais des trappes. Ou faudra mettre un truc pour que ça fasse pas bizarre, juste. On mettra de la déco. J'essaierai de voir comment on pourra faire ça. On fera peut-être ça en vidéo avec un acolyte. Pourquoi pas, je pense d'ailleurs. Puisque ce sera quand même plus simple à deux. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Donc, ça, c'est pour les pousses d'arbres. Ensuite, on a les CD, les fleurs et les laines. Sachant que du coup, les laines, c'est 16 blocs et les fleurs, c'est 14. Et les CD, c'est 12. Donc, voilà. Sachant que le problème, c'est que là, je verrais bien au fond faire le monument à laine, au fond, puisque c'est là où il y a le plus de blocs à mettre. Mais après, attention, parce qu'à tout moment, vous pouvez me redonner. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des idées d'objectifs, on continue. Proposez-moi encore en commentaire. Et du coup, voilà, le problème, c'est que faut pas non plus tout bloquer, parce qu'on pourra très bien rajouter des nouveaux monuments à objectifs. Donc, ce qu'on va faire, on va creuser, écoutez, on va creuser ici à peu près. Comme ça, on a de la marge. Alors, le problème, c'est que j'ai plus de torches. Ça, c'est vraiment craignos, les gars. Je n'ai vraiment plus de torches. Pour le coup, c'est vraiment pas cool. Ah, j'ai encore... Mais attendez. J'ai encore des bottes en cuir, je les ai déjà posées. Ah, mais non, bah voilà. j'ai pas dû bien faire attention. Est-ce que j'ai des torches par... Oh, bah regardez. Oh là là, le mec, il a plein de stacks de torches. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Et écoutez, si jamais des gens ne comprennent pas, je vais mettre ici. Monument... Armure. Bon, c'est quand même clair, hein, je pense. Hein. Monument... Pousse... Arbre. Et là, je pense qu'on va faire monument fleur. Ça peut être sympa. Oh non, bougez pas. Monument CD. Je pense que c'est une bonne idée. Et le monument fleur, on le mettra là. Parce que comme là, c'est le monument à pousse d'arbre. Et pourquoi pas faire des murs en verre. Oh là là, genre là, on peut faire un trou en verre. Ce serait énorme. Enfin, mettre une vitre, quoi, vous m'avez compris. Oh les gars, j'ai plein d'idées. En fait, c'est ça ce qui me fait plaisir. C'est que vraiment, je... Ah, Bon, je suis pas le meilleur builder, hein, mais je suis motivé de ouf et vous me motivez également à continuer de vous proposer du contenu parce que vous suivez la série, donc merci à tous d'être là. Vos pouces bleus, vos commentaires, bah, ça m'encourage de ouf. Et en plus de ça, bah, vous voyez, je déborde d'idées, n'est-ce pas? Enfin voilà, c'est trop cool, je passe trop du bon temps et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour des nouveaux épisodes de Madventure. Donc c'est vraiment, vraiment trop cool. Donc voilà, si vous kiffez cette vidéo, je vous le redemande encore une fois, mais... Ça prend 2 secondes, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Je n'ai pas peur de forcer, je compte sur vous et je crois en vous. Je sais que vous allez me liker cette vidéo à fond. Donc ça fait extrêmement plaisir. Juste, j'avais creusé de combien? J'avais juste fait 2, hein, voilà. Donc on peut se faire plaisir. Là on fait 2 et là ça s'ouvre. Voilà. Se faire une salle un petit peu plus grande. Donc là faut qu'on dispose 12 CD. Les CD on va les mettre dans des item frames, clairement. 12 CD, ça veut dire, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors est-ce qu'on peut faire un truc du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attendez, là il y a un milieu, alors attendez, vraiment je suis très mauvais en calcul, ça vous le savez déjà, mais si je fais ça, est-ce que ce serait pas une superbe idée de ma part? Attendez, bougez pas, là si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ah, il y aura un problème de... Ce sera impair. On aura un problème de symétrie, bordel. Bah sinon, faut faire une entrée de 2. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Regardez, je vais continuer de creuser. Vous inquiétez pas, hein. C'est vrai que j'exprime pas trop... Ok, là, je peux encore creuser, donc c'est parfait. Parce qu'en fait, pour expliquer la problématique, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, ça fait 11. Sauf qu'on a 12 CD. Donc là, je peux encore creuser de 1. Parce que là, si je creuse là, j'imagine que... Voilà, c'est ce que je me disais. Donc on va creuser ici de 1. Et alors là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème, c'est nickel. Voilà, là, je peux mettre 12 CD. Le problème étant que le milieu, eh ben, il n'y a pas de milieu. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si je me mets là, 1, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, en fait, le milieu, c'est les deux là, quoi, en fait, vous voyez? Donc, faut que je fasse une entrée de 2, et en fait, c'est tout bon. Voilà, c'était juste ça la problématique. Là, on a 5 torches d'un côté, 5 torches de l'autre. C'est parfait! C'est nickel. Donc là, on va essayer de faire un truc assez sympa. Bon, évidemment, la déco, là, pour le moment, c'est encore de la stone. Mais dans l'idée, on va essayer de faire un truc du genre... Déjà, j'aimerais qu'il y ait 2 CD comme ça. Et après, on va faire un truc comme ça, je pense. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc là, on mettra les 12 CD. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, sur les parties qui nous restent, on pourra très bien mettre autre chose. Pourquoi pas? Voilà, ça peut être une bonne idée. Là, on va faire maintenant les fleurs. Les fleurs, pareil, c'est un chiffre pair, donc ce sera également une entrée de 2 qu'il faudra faire. Donc ça, c'est pas mal. Tac, on va creuser ici. Alors là, par contre, j'ai pas pris de pelle sur moi. Si, j'ai une pelle, non? Oh, non, j'ai pas de pelle. Coup dur. Coup dur pour le joueur. Et d'ailleurs, les amis, bon, merci vraiment, hein. Vous avez tous vu, j'imagine, ma vidéo qui s'appelait Minecraft. Où en gros, bah, simplement, je rendais hommage au jeu et la nostalgie du jeu. Et donc, vous savez que du coup, je prends beaucoup de plaisir en ce moment à écouter la musique du jeu et à pêcher. Et ça, c'est nickel pour les Nautilus Ciel, hein, puisque du coup, je fais beaucoup de pêche avec ma petite Luck of the Sea 3. Mais surtout, et Mending d'ailleurs. Et surtout, ce qui est génial, c'est que donc, non seulement bah, j'arrive à avoir quelques petites Nautilus Ciel, ça prend du temps, c'est un petit peu relou. Mais voilà, comme dit, je prends un peu de plaisir parce que ça me rappelle un peu la. Bah l'époque, mais en plus de ça je récolte plein de trucs genre des name tags, des livres enchantés, enfin vraiment je me mets trop bien et c'est juste énorme quoi. Et d'ailleurs, je sais toujours pas comment renommer mon chien, vous m'aviez donné des idées mais je suis pas convaincu, donc le chien il a toujours pas de nom, pareil pour mes autres animaux de compagnie qui sont dans mon ancienne base, je leur ai jamais donné de nom, donc je sais pas du tout comment les appeler. Alors que vous voyez le cheval que je viens d'apprivoiser, je l'ai appelé Vanny direct parce que bah, j'ai tout de suite eu l'idée de l'appeler comme ça, mais mon chien j'ai pas eu d'idée, donc si vous avez encore des idées n'hésitez pas à me proposer, mais je pense que l'idée du nom me viendra de moi-même parce que... Pour le moment, j'ai pas encore trouvé de nom qui m'accroche quoi pour le petit toutou. Donc, en tout cas, voilà, je me mets bien au niveau des name tags, etc. Enfin, c'est trop bien la pêche en fait, c'est génial, vraiment. Alors là, il faut qu'on mette 12, enfin 14 fleurs. Est-ce qu'on les met dans des pots du coup? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce qu'on les met dans des pots? Bon, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me faut 14 fleurs, donc c'est 7 x 2. Donc ce serait pas mal de faire un truc genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, ça marcherait pas. Attendez, je tente des trucs, hein, vous inquiétez pas. Enfin, je réfléchis, je vais vous expliquer dans quelques instants le fond de ma pensée. Hein. Regardez, on va faire ça simplement. Je vais poser des torches là où j'aimerais poser des fleurs. Regardez. Enfin, sauf sur les murs. Hein. En gros, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, et là ça fait les 14 fleurs du jeu. Ça peut être pas mal en vrai, hein. Comme ça. Ouais, bon, il y a toujours d'autres moyens de le faire, mais ça peut être assez sympa. On peut toujours... ah ouais, on peut mettre par exemple celle-là là plutôt. Ouais, ce serait un petit peu mieux. Vous voyez? Comme ça. Là, c'est pas mal. C'est assez sympa comme ça, j'aime bien. On dirait pas un peu un truc de secte? On dirait pas je fais une secte? Alors qu'en vrai, c'est juste pour mettre des fleurs. Hein. Bah nickel! Voilà, ça c'est pour les fleurs. Nickel. Donc là, je vais d'ailleurs mettre... Monument... Fleurs.
Parfait. Du coup, il nous restera plus que les laines. Puisque là, il y a les CD, armure, fleurs, arbre. Ouais, donc il n'y aura plus que les CD. Et non, que les laines. Et les laines, je les verrai bien là, finalement, quand même. Mais après, et donc à la limite, on ferait plusieurs étages. Ouais, mais non, ça me dérange parce que je voulais vraiment faire... Non, non, je continuerai de creuser s'il le faut. Vraiment, je préfère... Parce que si vous me proposez des nouveaux objectifs avec des, à continuer avec un monument, vaut mieux. Donc je continuerai de, on continuera de creuser, etc. Et en tout cas, on fera la déco ensemble, les amis. Ça, je vous le dis. Si vous avez des idées d'ailleurs pour la déco, vous me dites tout ça en commentaire. Vous savez très bien que je lis vos commentaires et que vous m'aidez grandement. Ça, c'est indéniable. Eh bien, nickel. On va pouvoir s'en arrêter là, les amis. Donc là, on a bien avancé au niveau des objectifs, mine de rien. J'espère que je vais retrouver Vanny. Attends, il est où Vanny là? Vanny, on a bien avancé, on a bien set up le monument, donc ça c'est vachement cool. Et ben j'ai perdu mon cheval. Du coup, dans les prochains épisodes, on va pouvoir avancer dans les objectifs. Sachez que dans le prochain épisode, je pense que j'inviterai Créo. Et on fera quelque chose qui n'a rien à voir avec les objectifs, mais ça nous fera du bien. Voilà, on va pas se mentir, ça nous fera du bien. Et je vais vous dire, Créo, c'est le sang de la veine. Je fais ma petite déclaration en cette fin de vidéo, ça fait plaisir. Non, Créo, ça fait un bon moment que... Ouais, bon, j'ai perdu mon... Oh, allez, va te faire foutre. Allez, je rentre à la base directement, tant pis pour mon cheval. Je retrouverai de... J'ai pas mon lit sur moi, donc... Attendez, j'ai pas un lit à la... ici, là? Ouais, non, bon, tant pis. Je retrouverai deux jours, vous inquiétez pas. Oui, du coup, je disais, Créo, ça fait un moment... Eh, regardez, lui, il a de la cote de maille. Regardez, attendez, s'il vous plaît, loot. Mec, vas-y. Oh, dommage. S'il m'aurait loot, ça aurait été génial, hein. Enfin, s'il m'avait loot. Ouais, du coup, je disais, Créo, voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, que vous l'avez pas vu, etc. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais bordel, hein, qu'est-ce que ça fait du bien de le retrouver, je vais vous dire. Hein. Parce que du coup, ces derniers temps, on a fait beaucoup de convos, on a pas mal joué ensemble. Et waouh, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de retrouver la team. Vraiment, hein, vive le confinement, quoi, j'ai envie de vous dire. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis d'ailleurs, dans les épisodes d'après, on aura l'ID, etc. Enfin bref, vous m'avez compris, hein, un épisode en acolyte, ça va être incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, je brille de mille feux. Regardez, ça s'appelle Mkolo heureux. Voilà, je suis un Mkolo heureux. Voilà. C'était Mkolo. Rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Pouce bleu. Et puis, ciao. Ciao, ciao, tout le monde.